Je pense que nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Donc voilà, que Dieu soit béni pour la présence de chacun. Au nom de Yeshua, Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes à vivre. Merci pour Seigneur mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Nous te bénissons, nous te louons, Adonai, Dieu d'Israël. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Voilà, donc j'espère que le son est correct du côté de l'équipe technique. Voilà, parfait. Et vous êtes très nombreux, comme d'habitude, à vous connecter. Hier, vous avez été très nombreux et ce soir, nous le croyons également. Donc, on va continuer, bien sûr, l'enseignement sur les caractéristiques des, n'est-ce pas, prophètes de Yahweh. Voilà, donc, parce que nous sommes justement dans une époque où il y a la confusion spirituelle. Et alors, il faut des enseignements pour pouvoir éclairer les enfants du Seigneur, les chrétiens qui ont soif de la vérité, qui veulent vivre autre chose avec le Seigneur notre Dieu. Alors, nous avons vu que le premier prophète, le prophète par excellence, Yeshua, notre Seigneur, hein, c'est lui le premier prophète, prophète de l'Éternel. Et on a vu que Yeshua, en tant que prophète, n'a pas été aimé, n'a pas été applaudi, n'a pas été accepté, n'a pas été compris, n'est-ce pas? On va prendre Jean chapitre 1er, justement. Le verset, juste le verset 5, alors si quelqu'un veut bien nous aider à la lecture. Voilà, parfait. Donc Jean chapitre 1er, verset 5. Alors Jean chapitre 1, chapitre 2, verset 5. Verset 1er, chapitre 1er. Chapitre 1, verset 5. Mm-hmm. Je lis la parole de Dieu. Le micro, je pense que le micro n'est pas allumé. C'est vert. Alors, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres... Ah, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Là, c'est bon. Alors, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ok. Ça, c'est quelle version que tu as? La version second. Second, d'accord. Donc, la lumière brillait, hein, donc lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisie. Hein, donc, ça, c'est la première définition du terme grec utilisé dans ce passage. Voilà, donc la lumière brillait, hein, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point saisi ou encore compris. Hein, donc, voilà, donc, Yeshua, le prophète, quand il est venu sur terre, il n'a pas été compris par ceux qui étaient dans les ténèbres, c'est-à-dire les pharisiens, les chefs. Regardez, dans Jean chapitre 9, il dit aux pharisiens, aux chefs, qu'ils étaient dans les ténèbres, qu'ils étaient aveugles. D'accord? Donc, il n'a pas été accepté, il n'a pas été reçu, il n'a pas été compris. Alors, toutes les personnes qui se réclament de Dieu, qui se réclament de Jésus-Christ, tous les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les dirigeants, les conducteurs de l'œuvre du Seigneur, qui se réclament du Seigneur, doivent comprendre également qu'ils ne seront pas acceptés par, n'est-ce pas, beaucoup de conducteurs. Au contraire, ils seront rejetés. Et on a vu hier que la première caractéristique du prophète de Yahweh ou des prophètes que Dieu envoie, c'est la délivrance du peuple. Les prophètes viennent pour délivrer les gens. Ils ne viennent pas pour s'en accaparer. Ils viennent pour les rendre libres. C'est la délivrance. Guérison, restauration, tout ça. La deuxième caractéristique, on l'a vu, c'était justement l'opposition. Les prophètes que Dieu envoie sont toujours, n'est-ce pas, rejetés. Ils subissent beaucoup d'opposition. Et on l'a vu Moïse avec Jannès et Jambrès. On a vu Élie avec Akab, Jézabel et les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté ou d'Akéra.
n'est-ce pas? Donc on a vu à chaque fois que ces prophètes que Dieu a envoyés étaient, n'est-ce pas, rejetés. Vous ne pouvez pas vous réclamer du ministère divin de Dieu, prophétique, apostolique, pastoral, peu importe, et être accepté par les gens. Le Seigneur dit justement dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, versets 1 et 2. Alors Jean chapitre 16, versets 1 et 2. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Voyez? Donc, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Est-ce qu'on peut le... Donc, je crois qu'il y a un problème avec le micro. Ouais. Et donc, voilà. Voilà, donc, je suis là. Et voilà. On va le... Est-ce que c'est... Voilà, parfait. C'est allumé, ouais. Alors, je lis la parole de Dieu. Jean 16, 1 et 2. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Voilà. Donc, et ça, c'est terrible. Le Seigneur est en train de nous enseigner ici qu'il y a parmi des chrétiens, des conducteurs, n'est-ce pas, des gens qui vont non seulement rejeter les prophètes, mais ils vont également chercher à les tuer, ils vont les tuer tout en croyant rendre service à Dieu. Ils pensent bien faire tout en tuant les prophètes, alors que ce sont les envoyés de Dieu. Tellement qu'ils ne comprennent pas leur message, ils vont s'organiser pour les tuer, pour les détruire et ils se disent, ben voilà, c'est ce que Dieu approuve. Dieu approuve cela. Et on a vu, par exemple, Paul l'a fait également. Hein. Il a persécuté l'Église du Seigneur en croyant, en pensant bien faire. Voilà. Donc, le Seigneur dit, ils vont vous exclure de leur synagogue. Et vous comprenez, frères et sœurs, les prophètes de Yahweh, les vrais prophètes, ne font pas partie des synagogues. D'accord? Or, le mot synagogue ici signifie simplement assemblée. Donc, les vrais prophètes, mes amis, sont hors des systèmes des hommes. S'ils vont dans une église locale, ils vont, en général, on les expulse, on les chasse. Donc, forcément, comme ils sont chassés, ils subissent l'opposition et ils vont, bien sûr, être souvent solitaires. Donc, d'où, justement, la troisième caractéristique. La première, c'est la guérison qu'ils amènent, la délivrance du peuple. La deuxième, c'est l'opposition dont ils font l'objet. Et la troisième, c'est la solitude, parce qu'ils sont rejetés, donc ils sont souvent seuls. Voilà. Et c'est comme si Dieu, en fait, c'est même pas comme si Dieu leur impose la solitude pour qu'ils gardent leur message, pour ne pas qu'ils soient contaminés. Waouh! Ça, c'est terrible. Donc, un véritable prophète, quand bien même il chercherait à être dans une synagogue, il ne pourra pas se sentir à l'aise. On va toujours le persécuter. On va toujours le rejeter. C'est-à-dire, ce message va à l'encontre des projets des hommes de ce monde. Le prophète est toujours en avance par rapport au temps dans lequel il vit. C'est comme si Dieu suscite les prophètes, n'est-ce pas, 15 ans avant, 30 ans avant. Ils sont toujours en avance. Ils voient les choses 15 ans, 20 ans avant les autres. Ils voient les choses 3, 4 ans, 5 ans avant les autres. Et quand ils vont parler, personne ne va comprendre leur langage. Très peu vont le saisir. On va les traiter de fous, d'illuminés. Pourtant, ils voient, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça le prophète, mes amis, la fonction prophétique, quand vous avez l'Esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, les prophètes qui sont dans les synagogues sont des faux prophètes. Ce sont des prophètes de Baal. On va voir que les prophètes de Baal aiment les assemblées. Vous voyez? Prenons les Écritures. Vous allez voir la différence et, rapidement. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et alors, nous lisons à partir du verset 14, voilà, pour la bonne compréhension. Alors, Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Ok.
Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Ok, il est prophète. Il est prophète par excellence. Il rentre dans une synagogue. Il avait l'habitude d'y aller. Avant 30 ans, bien sûr. Tout le monde le connaissait comme le petit Jésus, le petit frère du quartier. N'est-ce pas? Maintenant, à 30 ans, il avait reçu, il était revêtu de l'onction messianique. Et là, ce n'était plus le petit Jésus qu'ils ont connu avant, qu'ils connaissaient. Là, c'était le prophète dans son exercice, dans sa fonction. Il entre dans cette synagogue et il prend les rouleaux d'un autre prophète, Esaïe, qui a été scié. Qui était scié à cause de son message, selon la tradition. Et il commence à enseigner. D'accord? Il commence à enseigner. Et qu'est-ce qu'il va dire à tout ce monde-là? On prend, au verset, n'est-ce pas? Et 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de ses paroles, de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Vous voyez? Donc, ils avaient l'habitude de dire, « Ah, fils de Joseph, viens enseigner, faire la lecture, pardon. » Parce que chez les Hébreux, à partir de l'âge de 12 ans, les 13 ans, pardon, les garçons peuvent faire la lecture dans la synagogue. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ, à partir de l'âge de 12 ans, faisait la lecture dans cette synagogue-là. Donc, tout le monde le connaissait comme le fils de Joseph. Et là, cette fois-ci, à 30 ans, c'était le fils de Joseph adoptif, mais par contre, le fils de Dieu avant tout. Il est rentré dans sa fonction de prophète. Et il a commencé cette mission dans cette synagogue. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et ça, c'est terrible. Donc, un prophète qui est accepté dans sa patrie, n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, un prophète n'est rejeté que dans sa patrie. Or, notre patrie à nous tous, c'est la terre. Donc, les prophètes authentiques sont rejetés par les terriens. Ils n'ont pas un seul lieu sur terre où ils peuvent se reposer. Ce sont des voyageurs, ce sont des pèlerins. Ils n'ont qu'une vision, c'est le ciel. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, la patrie des hommes de ce monde, c'est la terre. Il n'y a pas une région où un prophète peut être accepté sur terre. Ça n'existe pas, chrétien. Écoutez bien l'enseignement ce soir. D'accord? Donc, si vous êtes prophète, si vous avez le Saint-Esprit en vous, ne vous attendez pas à ce qu'un pays vous reçoive à bras ouverts. Même s'ils le font, il y aura des Judas là-dedans qui vont vous lapider après. C'est pour cela qu'il faut être bien enseigné pour ne pas être surpris, découragé quand cela va vous arriver. Un prophète, mes amis, le Seigneur, cette parole sort de la bouche de celui qui est nommé la parole. Donc, il ne peut pas mentir. Donc, si vous avez un prophète qui est accepté dans un pays par un président, au point où ils vont manger ensemble à la même table, ils se tapent sur l'épaule, alors que le président est franc-maçon, rosicrucien, le prophète en question est déjà corrompu. Il a bu le vin de la débauche, le vin que Daniel avait refusé. Vous voyez, frères et sœurs, on continue. Le Seigneur dit, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. » Donc, le prophète toujours. « Lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. » Et là, le Seigneur est en train de leur dire ici, vous êtes tous ici des lépreux. Tous. Vous êtes tous des lépreux et qui refusent la guérison du prophète, que le prophète, par excellence, vous amène. Or, la lèpre était la maladie la plus répugnante dans le judaïsme, parce que les lépreux étaient exclus du camp. Or, ces hommes ici étaient justement dans le camp, dans la synagogue. Et Jésus leur dit, vous êtes tous des lépreux. En gros, c'est ça. Ils avaient bien compris ce message. D'accord? Et ensuite, il leur dit, au verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. D'accord? Donc, plusieurs veuves, pardon, d'abord les veuves, et ensuite les lépreux. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée.
le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Le prophète est en train de leur dire que ben, ce sont les étrangers qui vont recevoir la grâce. Le Seigneur est en train ici de parler de l'Église. Il a mentionné la Syrie. Or, l'Église est composée essentiellement, bien sûr, des Juifs qui ont donné leur cœur à Yeshua, qui l'ont reçu. C'est un petit noyau sur le reste. Mais l'Église est composée essentiellement des nations d'origine païenne. Vous voyez ? Donc, le Seigneur est en train de leur dire ici, mais vous êtes tous des, comme des veufs, des veuves, comme des lépreux, et la grâce passera à côté parce que vous n'avez pas compris le ministère du prophète, sa mission. Et regardez le verset 28. Quelqu'un peut le lire là ? Alors verset 28, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. » Attendez, le prince de paix arrive quelque part, au lieu qu'il y ait la paix, c'est la colère. C'est la haine. Donc vous comprenez, quand les gens vous agressent, quand les gens ont la haine contre vous et qu'ils font des vidéos contre vous, hein, ou des blogs sur vous, ne vous étonnez pas qu'ils aient cette colère contre vous. Mais c'est votre onction qui provoque cela. Parce que ce sont des lépreux. Ce sont des veufs, des veuves. Ils passent à côté du message. Donc, la parole est claire, frères et sœurs. Il faut que vos écailles tombent de vos yeux. C'est normal que les pasteurs de vos églises soient en colère contre vous dès le jour où vous avez compris la vérité. C'est normal qu'ils vous disent « Quittez nos églises, ne venez plus ici. » Parce que ce sont des lépreux. Nous n'avons pas le même maître. C'est ce qu'ils disent. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, vous voyez, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez fait pour que le pasteur de l'église où vous allez soit autant en colère contre vous? C'est parce que, justement, c'est un lépreux. Voilà. Donc, ils furent remplis de colère. Jésus-Christ était calme, il était doux, il était dans la douceur, mais ces hommes étaient complètement hors d'eux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un discours qui ne correspondait pas à leur compréhension, à leur vision. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le prophète, quand il ouvre sa bouche, ça provoque deux réactions. Trois réactions, je dirais. La première, c'est la colère chez les religieux. La haine. La deuxième, c'est l'indifférence de certains. La troisième réaction, ce sont des cœurs qui sont touchés, interpellés. Donc le prophète, partout où il va, il provoque ces trois types de réactions. Il amène comme le trouble, là où il y avait un calme apparent, qui cachait bien sûr l'hypocrisie, le serpent en dessous, tout ça là. Le prophète arrive, il amène le feu, il embrase tout, toute la forêt. Comme Paul, dans Actes 28, il y avait une vipère qui était dans la brousse, dans les broussailles, tout ça là, caché. Personne ne la voyait. Mais quand Paul arrive, il allume le feu et la vipère sort. Voilà le prophète. Il arrive quelque part, il met le feu et dans les églises qui paraissaient calmes, eh bien les serpents sortent. Voilà. S'agitent. Les pasteurs qui paraissaient gentils, calmes, tout doux, hein, commencent à devenir de véritables vampires, de véritables méchants. Et on ne comprend pas, mais le pasteur, comment tu peux te comporter comme ça, pasteur? Ben oui, mais c'était un serpent qui se cachait. Voilà. Pourquoi? Parce que le prophète est passé par là. Donc ce sont des hommes de trouble. Regarde, acte 17, on nous dit quoi? Ces hommes qui ont troublé le monde sont arrivés jusqu'ici. Les religieux disaient cela. Vous voyez, de Paul et Silas. Donc partout où Paul allait avec Silas, c'était apôtre et prophète, attention, ils amenaient le trouble chez les religieux et la délivrance chez le peuple qui attendait la délivrance. Voilà, frère, comment les prophètes provoquent, mes amis, des choses, des troubles. Alors, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Ils ne l'ont pas seulement chassé de leur synagogue, mais également de la ville. Allez, quitte la synagogue et quitte la ville. Et certes, il y avait forcément quelqu'un qui gérait, un politicien qui gérait la ville. Hein. Donc, ils sont allés le voir certainement pour dire, « Monsieur le maire, il faut à tout prix expulser ce monsieur du pays. » Voyez, je me rappelle, tout est dans la Bible. Voyez, frère, tout est dans la parole de Dieu. Voilà, les prophètes sont chassés des synagogues, chassés des villes, chassés des pays. Et le Seigneur va passer outre et il va s'en aller. Et ça, c'est, vous avez vu la réaction du Seigneur? Il passe au milieu, hein? Mais Jésus passa au milieu d'eux
Sanala. Waouh! Alors que ces hommes attendaient la venue du Mashiach. Mais ils sont passés à côté. C'est terrible, frères et sœurs. Les prophètes de Yahweh sont ainsi traités. Voilà. Ils sont chassés des synagogues. Donc, rappelez-vous bien qu'une synagogue n'est rien d'autre qu'une assemblée d'hommes et femmes qui se réclament de Dieu, soi-disant. Et Dieu nous dit justement dans Apocalypse que les deux églises potables, celle de Smyrne et de Philadelphie, allaient être attaquées par la synagogue de Satan. Donc, synagogue égale assemblée, n'est-ce pas? Association d'hommes, et les prophètes aiment les associations, les prophètes de Baal, bien sûr, aiment les associations d'hommes. Vous ne verrez pas dans la Bible un seul prophète qui était dans une assemblée, mes amis, des prophètes. Même Samuel, qui a vécu à une époque où il y avait des écoles de prophètes, mais Samuel était un prophète à part. À part. Il était souvent à Rama, nous dit la parole. C'était un homme solitaire. Solitaire. Donc, tous les prophètes de la Bible, tous les prophètes de Yahweh étaient des hommes solitaires parce qu'ils étaient toujours chassés, pourchassés, tout ça là. Et voilà, regardez Jérémie. Jérémie, chapitre 20. On va lire à partir du verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Voilà le prophète. Le prophète ici, il dit « Tout le monde se moque de moi. » Voilà le prophète. Tout le monde se moque de lui. Tout le monde, il dit, « Je suis chaque jour un objet de leur raillerie. » Chaque jour. Chaque jour, on se moquait de lui. Chaque jour, le peuple l'insultait. Et il dit « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. » Le prophète de Yahweh, il crie. Les religieux ne veulent pas de cri. Mais pourquoi ils crient comme ça, ce monsieur? Mais vous n'avez pas compris. Le jour où vous serez saisi et vaincu par Yahweh, vous crierez. Le jour de votre naissance, vous avez crié. Il y a eu un cri. Vous avez poussé un grand cri. Et maintenant, il y a eu la mort spirituelle et vous ne criez plus. C'est normal que vous détestiez les gens qui crient. Voilà. Parce que vous êtes habitué à la mort. Vous aimez être endormi. Voilà. À minuit, on cria. Voici l'époux. Voilà le ministère prophétique. Il crie tout le temps. Voilà. Ce sont des gens qui ne savent pas. Ils ne savent rien faire d'autre que crier. Voilà. Ça chatouille les oreilles des religieux qui veulent entendre des belles choses. Voilà. Et on continue. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ah ouais, les prophètes de Yahweh ne peuvent pas contenir la grâce. Ils ne peuvent pas se contrôler. C'est fini. Ils sont saisis par Dieu. Ils n'ont pas le choix que de délivrer le message. Parce que s'ils refusent, ils meurent. Dieu le reprend. Voilà les véritables prophètes. Ce sont des prisonniers de Yahweh. Paul dit, je suis prisonnier de Christ. Voyez, Jérémie voulait contenir ce feu-là pour ne plus être la risée de tous. Mais pour ne plus être, mes amis, l'objet de chansons de ses compatriotes. Mais il dit lui-même qu'il y avait dans ses os un feu qui était là. Il ne pouvait pas le contenir. Verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Tous ceux qui étaient en paix avec moi. Avant que Jérémie ne soit dans la fonction prophétique, tout le monde était en paix avec lui. Mais dès l'instant où l'onction prophétique l'a saisi, c'est pour cela que Jérémie disait quand Dieu l'a appelé, « Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. »
Ah oh, Seigneur, je ne sais pas parler. Non, c'est parce qu'il savait qu'il allait être l'objet de chansons de tout le monde. Il connaissait son peuple. Jérémie savait que les prophètes que Yahweh a envoyés parler à ce peuple étaient toujours lapidés. C'est pour cela qu'il dit, Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je te rendrai comme une pour ce peuple comme une muraille forte. Ah oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, il a dit. Donc il savait ce qu'il attendait, frère. Et là, il dit ici, là, il dit là, tout ce qui était en paix avec moi, maintenant, observe si je chancelle. C'est comme ce soir, ils sont connectés ce soir. Ceux qui ont été nourris hier. Voyez? Ils observent les moindres détails, ils sont là aux aguets. Mais vous ne voyez pas qu'ils n'ont pas la paix. C'est l'onction prophétique qui fait qu'ils sont toujours obligés de se connecter malgré eux. Vous avez vu, à la dixième minute, il a dit ci, il a dit ça. Il dit souvent je, mais qui ne dit pas je? On ne va pas dire nous, créons l'homme à notre image, ce n'est pas comme ça. On n'est pas Elohim pour parler au pluriel, avec un pluriel d'excellence. La confusion, ça c'est l'esprit, mes amis, d'égarement. C'est terrible que les enfants du Seigneur soient éclairés parce que au travers de nos expériences là, beaucoup vont être encouragés, comme Paul disait, ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile, car beaucoup ont maintenant plus d'assurance pour annoncer l'évangile. Bah oui, frère. Dieu se sert de nous aussi comme des modèles pour encourager tous ceux qui veulent se lever pour défendre la sainte doctrine. Voilà, c'est ça l'évangile, c'est ça. C'est comme ça que l'œuvre avance. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras, frère. Tout ce qui était en paix avec moi chante. Donc vous, écoutez bien. Beaucoup de gens disent, Chora, mais il faut être en paix avec tout le monde. Moi, je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec les vrais enfants de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être en paix avec les démons. Ils cherchent à vous tuer. Il faut vous défendre à la prière. Vous ne pouvez pas être en paix avec les sorciers. Parce que quand vous priez, le fait que vous soyez en Dieu dérange les sorciers. Donc comment voulez-vous être en paix avec les satanistes? Ce n'est pas possible. Ils veulent vous manger, vous ne pouvez pas être en paix avec eux. Voyez? Donc, chrétiens, n'attendez pas à ce que tous les hommes soient en paix avec vous. Comprenez? Vous savez, la parole est claire. La parole est claire. Frère, Paul arrive, mes amis, il arrive sur une île. Il rencontre le proconsul de cette île, le député de cette île, romain. Il y avait à côté un homme sataniste, Bar-Jésus. Vous voyez, Paul prêche l'évangile à ce député, Bar-Jésus s'opposait à la conversion de cet homme. Eh bien, Paul ne pouvait pas être en paix avec Bar-Jésus. Paul a prié et cet homme était frappé d'aveuglement. Vous voyez, frère? Donc, en fait, ici, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de prophètes, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être en paix avec tous les pasteurs. Mais tous les pasteurs ne sont pas de Dieu. Le fait de vouloir être en paix avec tous les pasteurs a poussé beaucoup de vrais prophètes à devenir écuménistes, syncrétistes, à se mélanger avec avec les sorciers. Et c'est là l'erreur, c'est là le danger. Dieu lui-même n'est pas plébiscité. Aucun enfant de Dieu ne peut être plébiscité, reconnu, accepté par tout le monde. C'est impossible. Vous voyez? Et Jérémie dit que ceux avec qui j'étais en paix hier observent ma chute, mes pieds. Écoutez, tel que vous êtes là, mes amis, quand Dieu, si Dieu commence à vous saisir, à vous dire, allez crier, je vous assure, vous ne serez plus en paix avec beaucoup de monde. Vous aurez des tribulations avec les gens qui sont parfois les plus proches. Et si vous vous cachez, Dieu va vous chercher de là, vous sortir de là pour vous dire, allez parler. Il ne faut pas être comme Jonas, sinon il enverra des poissons, un poisson pour vous avaler. Hein? C'est déjà le cas pour toi. Mais voilà, tu peux y aller, tu peux y aller, pas de souci. Oui, donc je disais, c'est déjà le cas. Hein. Amen. Oui, parce que lorsque, déjà dans mon travail, là, c'est vraiment la persécution. Mais voilà. Qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'ouvrir la bouche lorsque le Seigneur le permet. Amen. Bien entendu, conduit par l'Esprit de Dieu. Eh bien, même s'il y a un risque, parce que moi je travaille dans un tribunal. Et tu es, tu es,
agent de... Comment... Je suis de la police. Ah, le policier, et ouais. Donc, il ne faut pas parler... de voilà, Dieu, il ne faut pas parler Jésus. Trop de Dieu. Mais bon, maintenant, lorsque le Seigneur nous le permet, eh bien, on doit ouvrir la bouche. OK. Voilà, donc, je bénis le Seigneur. Et en tant que policier, est-ce qu'il y a beaucoup de policiers qui se convertissent aussi? Ils sont chrétiens. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a, mais ils se cachent. Hein. Ils n'osent pas se montrer. D'accord. Ils n'osent pas prendre position, en fait. D'accord. Et moi, bon, que je le veuille ou pas, eh bien, je suis toujours en train de... Déjà, lorsqu'ils me voient parler, ils savent de quoi je parle, d'accord. Mes collègues. Le Seigneur m'utilise beaucoup. Amen. Je le bénis, hein, et je crois qu'il faut y aller. Il y avait des soldats aussi qui s'étaient convertis quand Jean-Baptiste a prêché l'évangile. Tout à fait. Et ça, c'est magnifique de voir des policiers qui se convertissent. Tout à fait. Et qui sont dans le message pur. Dans plus en pur. Plus, il y en a. Dans plus en plus, il y en a. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, frère, dès l'instant où vous décidez de prendre position pour la vérité, vous serez en paix avec Dieu, avec le ciel, mais vous serez en désaccord avec la terre, avec l'enfer. Donc, c'est à vous de choisir. Voilà. Jérémie dit, il m'observe, peut-être se le sera-t-il, en fait le verbe surprendre ici c'est plutôt séduire. Séduire par qui? Par notre pression, par nos propos, par nos propositions, n'est-ce pas? Et si cela c'est séduire, eh bien nous allons être, nous allons dominer littéralement sur lui. D'accord? Tirer vengeance de lui, c'est littéralement dominer sur lui. L'écraser, l'écrabouiller, le détruire. Voyez, frère, eh bien, beaucoup de prophètes, malheureusement, de l'Éternel se laissent séduire comme ça. À cause de la pression, ils baissent les bras, ils ne veulent plus parler parce qu'ils veulent, ils veulent plus des problèmes. Et c'est là ce qui est grave. Vaut mieux avoir des problèmes avec votre entourage, avec les hommes, qu'avec Dieu. Parce que si vous avez des problèmes avec Satan à cause de la vérité, Dieu vous gardera, Dieu vous protégera. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui peut vous défendre? Frère, ah oui, je préfère avoir des problèmes avec tout le monde, même avec des gens que j'ai formés hier, ça ne me, c'est pas grave, on bénit Dieu, mais je continuerai à dire tout ce que Dieu me dira de dire, n'en déplaise aux gens, voilà, parce que je préfère être protégé par Dieu, et comme il a toujours fait, il a toujours protégé ma famille, et il continuera à le faire, merci Seigneur, donc autant continuer à défendre la sainte doctrine, et faites-le également. Je vous encourage, frères et sœurs. Alors, regardez mes amis, Jérémie avait tellement souffert. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 14? Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ah, les prophètes authentiques maudissent le jour de leur naissance. À cause de la souffrance. C'est terrible, hein? Donc, ce ne sont pas des gens qui fêtent leurs anniversaires. Donc, quand vous avez un pasteur, un prophète qui fête son anniversaire, qui se réjouit du jour de sa naissance physique, ça veut dire qu'il n'est pas prophète authentique. Il ne connaît pas la souffrance liée au véritable, à la véritable fonction prophétique. Parce que le prophète de Yahweh souffre tellement qu'il a oublié même le jour de sa naissance. Donc, quand vous l'amenez, vous lui proposez des bougies pour son anniversaire avec un gâteau, tout ça, la fête. Tout, mais il n'est pas dedans. Parce qu'il passe sa vie à pleurer pour les âmes. Voilà, il passe son temps, pardon, à pleurer pour les âmes. Toute sa vie, c'est pleurer pour les âmes. C'est pleurer à cause des souffrances. Voyez, moi, quand je vois des pasteurs, des chrétiens qui disent « C'est l'anniversaire de notre pasteur », ils n'ont rien compris. Tiens, la frère de sœur, laissez-moi vous parler. Voilà. Continuez toujours à souffler sur les bougies là, de votre pasteur. Verset 15. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il maudit même l'homme qui avait apporté cette nouvelle. Mais nous, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. Attention, on bénit, pas de problème. Il tenait un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Waouh! Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Waouh! Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Waouh! Pourquoi suis-je sortie du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Waouh! Bah, ouais, c'est terrible ici. Hein, eh ben, imaginez maintenant aller voir Jérémie pour lui dire: Jérémie, eh ben, c'est ton anniversaire aujourd'hui.
Ouh, Jésus de Nazareth. Seigneur, il nous faut des Jérémie modernes. Il nous faut des prophètes. Que Dieu nous envoie des prophètes, frère. De toute façon, il le fait. Avant l'enlèvement de l'église, Dieu envoie des prophètes pour sonner le chauffard. Voilà. Il n'y en a pas un seulement qui viendra, mais plusieurs qui crient ici et là. Parce que c'est l'heure. Parce qu'il nous reste 3 minutes dans l'horloge de Dieu avant d'être minuit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Jérémie a beaucoup souffert. Donc, les prophètes souffrent beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils portent le fardeau de Yahweh. Regardez, la plupart des livres prophétiques commencent souvent par fardeau, hein, oracle. En fait, le terme oracle signifie littéralement charge. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, prenons rapidement Malachie, par exemple, qui était prophète aussi. D'ailleurs, Malachie signifie l'ange, hein, donc ange ou messager. Malachie, chapitre 1er. Verset 1er. Ouais. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Voilà, oracle ici en fait littéralement, et c'est charge, fardeau. Quand Dieu appelait un prophète, en fait quand Dieu appelle un prophète, il appelle et il met sur son corps, sur son cœur un fardeau, son fardeau à lui. C'est pour cela dans Matthieu 11, Yeshua disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, hein, et mon fardeau, hein, n'est-ce pas, qui est doux, hein, qui est léger, pardon. Donc vous voyez, quand le Seigneur nous appelle, il met sur nos épaules, sur nos cœurs, son fardeau à lui. Et son fardeau, c'est quoi? C'est la délivrance des âmes. Vous voyez? C'est les pleurs du cœur du Père. La souffrance du Père face au péché, face à l'état du monde. Donc le prophète qui reçoit un tel fardeau ne peut plus, mes amis, s'associer avec tout le monde. Il va être plutôt solitaire. Dieu va lui imposer cela pour crier comme Jean-Baptiste ici et là. Il va être souvent traité de rebelle parce qu'il n'est pas forcément assis dans un bâtiment d'église devant le pasteur pour qu'il le voie matin, midi, soir. Non, il est surtout, mes amis, ici et là, en train de courir à gauche, à droite, et les gens ne le comprennent pas. Il est comme du vent, il est comme un vent impétueux qui souffle ici et là, frères et sœurs, et qui renverse des montagnes, qui brise des forteresses, frères et sœurs. Il est tel, alléluia, c'est l'onction d'Élie, c'est l'onction de, ah, c'est un messager, une messagère, frères et sœurs. Voilà le prophète de Yahweh, frères et sœurs. Ouh, alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs. Il y a comme un feu prophétique ce soir encore, là, frères et sœurs, pour consumer les œuvres des ténèbres, mes amis, là. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Dieu de gloire. Alléluia. Le prophète n'est pas compris par ses contemporains. Il n'est pas compris par ses compatriotes. Le prophète n'est pas compris par même sa famille. Il n'est pas compris par, mes amis, les personnes auprès de qui Dieu l'envoie. Et très peu le comprennent, frères et sœurs. Et souvent, il va être compris des années après sa mort. Le prophète, c'est comme ça qu'il procède, frères et sœurs. Voyez? Et c'est terrible. Donc, c'est pour cela, frères et sœurs, quand vous avez dans vos églises vos prophètes qui viennent vous prophétiser des bonnes choses, mariage, ministère, voyage, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont, mes amis, des prophètes du ventre de ce monde. Ce sont les prophètes de Baal et d'Astarté ou d'Achéra ou d'Akéra. Voilà, c'est tout. Parce que les prophètes de Yahweh, frères et sœurs, viennent, ils délivrent leur message et ils s'en vont. Voyez? Ils ne sont pas... Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète dans 1 Roi 13. Voilà. Le jeune prophète a été tué. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé, hein, au vieux prophète. Donc Dieu refuse que les prophètes qu'il envoie s'associent avec d'autres prophètes. Non! Dieu refuse que ces prophètes s'associent avec des pasteurs à gauche, à droite. Non! Non! Ce sont des solitaires. C'est comme ça que Dieu veut. Un prophète étant solitaire avant tout. C'est un messager. Il part, il délivre son message et il rentre. Il ne faut pas l'enfermer dans un fonctionnement. Il ne faut pas l'enfermer dans votre maison. Il n'est pas là pour prophétiser sur vous matin, midi, soir. Il délivre le message que Dieu lui a donné et il se retire. Voilà. Il n'est pas là pour se faire des amis pasteurs. Vous voyez? Prenons la parole, mes amis. Le prophète, quand il arrive quelque part, tout le monde, beaucoup de gens tremblent. Les anciens tremblent. Contrairement à nos prophètes d'aujourd'hui, quand avant d'arriver, tout le monde déjà, tout le monde fait la queue pour recevoir sa prophétie. 1 Samuel, chapitre 16. Alors, nous sommes au verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Voilà. En fait, littéralement, « Ton arrivée annonce-t-elle la paix ?» Pourquoi ?
Parce que les anciens de la ville connaissaient les voyants de Yahweh, parce qu'on appelait les prophètes à l'époque voyants, parce qu'ils voyaient. Donc, ils connaissaient les prophètes de Yahweh. Quand les prophètes de Yahweh ne se déplaçaient pas n'importe comment. Ah non! Samuel était à Rama. Pour le sortir de Rama, il fallait que Dieu parle. Il sortait, il rentrait toujours à Rama. Rama, c'est l'image du trône, de la présence du Père. Vous voyez? Les prophètes de Yahweh ne sont pas ceux-là qui vont faire de maison en maison pour aller manger chez vous. Ils ne sont pas là pour se faire, mes amis, des amis, ici et là. Non. Samuel quitte Rama, il arrive à Bethléem, la maison du pain. Les anciens de la ville apprennent cela. Ils vont accourir devant Samuel. La parole nous dit qu'ils étaient effrayés, alors que Samuel n'avait même pas encore parlé. Oh mes amis, il nous faut des prophètes authentiques, frères et sœurs. Alléluia. Ouh, Dieu d'Israël. Hein? Les prophètes de Yahweh ont un périmètre. Quand on rentre dans ce périmètre-là, on se sent nu. Si on n'est pas avec Dieu. On tremble. Ce ne sont pas des dictateurs. Mais ils ont le caractère de Christ. Ils ont un caractère trempé dans l'onction. Voyez? Ils sont intransigeants par rapport au péché. Ils sont imputrescibles, frères et sœurs. Terrible. Et là, Samuel arrive. Les anciens qui étaient censés enseigner le peuple, des modèles, ils vont trembler devant le prophète. Ta venue, annonce-t-elle quelque chose de paix, hein, la paix? Et leur dit, calmez-vous. En gros, c'est ça. Je viens pour offrir un sacrifice. Frères, oh sœurs, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Quand Paul arrivait quelque part, quand il arrivait dans une ville, toute la ville tremblait. C'est ça le prophète. Donc, tous ces prophètes-là que vous voyez sur Internet, la plupart, ils ne sont pas prophètes. D'ailleurs, les prophètes, ils ne sont pas là en train de dire qu'ils sont prophètes. Non. Quand on leur pose la question, qui êtes-vous? Ils disent, nous sommes frères. On demande la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il dit, non, je ne suis pas prophète, je suis juste une voix qui crie. Vous voyez, les prophètes de Yahweh, mes amis, ce sont les autres qui les identifient comme tels. Eux-mêmes ne mettent pas leur titre prophète. Non. Parce que souvent, ils refusent même ce titre-là à cause de la souffrance qui est liée à cela. Donc, quand vous voyez quelqu'un dire, mettre sur une affiche prophète des nations, dites-vous que c'est un prophète du ventre. Voilà. Et frères, sœurs, regardez Élie, quand il s'enfermait dans sa grotte, c'était pour recevoir les oracles. Quand il en sortait, les gens tremblaient devant lui. Vous voyez? Vous avez vu Abdias? Abdias, un homme, hein, Abdias, bras droit d'Akab. Il tremblait devant le prophète Élie. Nous sommes dans 1 Roi 18, frère. Oh, que Dieu nous montre les choses. Une autre caractéristique du prophète de Yahweh, c'est, mes amis, la terreur de Yahweh qui l'amène partout. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, ceux qui sont dans le péché, ben, ont la terreur. Les enfants de Dieu véritablement sont encouragés. Mais les pécheurs tremblent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le péché tremblent quand la gloire de Dieu se manifeste quelque part. Voilà. Ils sont effrayés comme dans la Bible, comme Adam, comme les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, comme sur la montagne de la Transfiguration, les apôtres avec Jésus, les trois apôtres. Tout ça. Voilà. Comme quand la gloire est tombée sur Paul, sur le chemin de Damas. Voyez? Et nous sommes dans 1 Roi 18. Donc, on a vu hier les trois premières caractéristiques du ministère prophétique authentique. D'abord, le prophète vient pour sauver, ça c'est la première, c'est le salut, la délivrance, la restauration des cœurs, des âmes. La deuxième, c'est, mes amis, le rejet, l'opposition, tout ça, tout ça de la part des religieux. La troisième caractéristique, c'est la solitude. Hein, et ce soir, c'est le côté tremblement, crainte qu'inspirent les prophètes de Yahweh, n'est-ce pas? Donc, ils inspirent la crainte. La terreur chez les pécheurs.
chez les religieux. Voilà. Et nous sommes dans 1 Roi 18, regardez bien. Voilà, à partir du verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Ah, voyez, c'est terrible. Et la peur, Abdias craignait Dieu, mais devant Élie, il y a eu ce respect. Ce n'était pas la peur, mais le respect. Il était chef de la maison d'Akab, c'est-à-dire un homme politique. Comme un conseiller. Il était comme le bras droit d'Akab. Donc, mes amis, remarquez aujourd'hui les prophètes de cette génération qui font allégeance aux hommes politiques d'aujourd'hui. Vous avez vu? Ils sont prêts à tout pour être proches des présidents. Ils vont faire des posters, des photos avec des présidents et ils vont les afficher sur leur bureau. C'est comme des trophées. Oh, Dieu de gloire! Ils font la queue. Ils sont dans les salles d'attente pour être reçus par des présidents. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, alors que c'est l'inverse qui doit se faire logiquement là. Hein? Oh, Dieu d'Israël. Ouh! Vous avez vu le nombre, mes amis, le nombre de chefs politiques à l'époque qui envoyaient leurs ouvriers, leurs serviteurs pour aller implorer la miséricorde de Yeshua pour la guérison de leurs serviteurs. Vous avez vu Corneille, un homme puissant. Un homme puissant, très puissant, un soldat, un officier romain qui va, mes amis, s'incliner devant Pierre. Je ne dis pas qu'il faut s'incliner, adorer le prophète, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour que vous compreniez à quel point ces prophètes qui nous ont précédés, ces apôtres qui ont servi l'agneau de Yeshua, l'agneau de Dieu, ont manifesté la gloire de Dieu. Amen, amen. Hein? Corneille se met à genoux et Pierre lui dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Oh, l'onction qu'il y a sur moi, ce n'est pas de moi. C'est Dieu à moi. Alors lève-toi, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Vous vous rendez compte, l'autorité apostolique, oh mes amis là, quelque chose. Il y en a qui ont perdu cette chose là, frère. Cette grâce là, frère et sœurs. Quand ils rencontrent un président, ils vont lui mettre un tapis rouge, frère et sœurs. Mais vous vous rendez compte, frère et sœurs. Où sont les prophètes de Yahweh? Où sont les messagers qui amènent le jugement de Dieu? Oh Dieu d'Israël. Aujourd'hui, mes amis, qui sert le plus grand roi? N'est-ce pas les prophètes de Yahweh? Par rapport aux hommes de ce monde, aux rois de ce monde? Frère, Naaman tombe malade, la lèpre. Oh, il était un grand général. Il va voir son roi, son maître, roi de Syrie. Le roi de Syrie envoie un courrier au roi d'Israël pour dire, guéris mon serviteur. Le roi d'Israël déchire ses vêtements en disant à ses serviteurs, le roi de Syrie, la Syrie à l'époque était la plus grande puissance économique et militaire, le roi de Syrie cherche des problèmes avec nous. Il cherche une occasion pour faire la guerre. Et il s'est mis à pleurer. Et Élisée apprend cela, le prophète de Yahweh. Élisée dit, il envoie son serviteur pour dire au roi, lui-même ne s'est pas déplacé, il dit, va aller dire, dites au roi, de laisser cet homme venir ici. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Mon Dieu! Hein? Ah, mon Dieu, mon roi. Naaman quitte la Syrie avec une grande suite. Une suite royale, avec beaucoup de richesses. Il arrive en Israël.
Nous sommes dans 2 Rois 5. Il se disait que, comme je suis grand, une grande personnalité politique et très riche, eh bien, Élisée, prophète de Yahweh, va s'incliner devant moi. Il va sortir lui-même devant moi et il va secouer sa main comme ça, comme il le disait, pour me guérir. Mais Élisée, le prophète de Yahweh, était un homme sanctifié, craignant Dieu. Et il savait qu'il ne fallait pas s'approcher des lépreux comme Moïse l'avait interdit. Il obéissait à Moïse. Ah, pas de contact avec le péché. Élisée dit à son serviteur, va dire à cet homme d'aller se baigner sept fois là-bas et puis il sera guéri, il peut rentrer chez lui. Ouh! Frère, non mais c'est terrible. Mais si c'est nos prophètes d'aujourd'hui, oh, avant même que Naaman ne vienne, n'arrive en Israël, eux-mêmes allaient faire le déplacement jusqu'en Syrie. Ils allaient demander l'offrande du prophète. Ils allaient demander l'argent. Et il n'y aurait pas eu de guérison. On connaît l'histoire du président Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, entouré par des faux prophètes, des prophètes de Baal, prophètes de Baal et d'Astarté, qui lui ont fait miroiter des belles choses. Et on connaît l'issue de cette, mes amis, de cette histoire. Aujourd'hui, ce monsieur, ce président se retrouve en prison et les prophètes de Baal avaient quitté la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelques-uns sont revenus au pays, mais la tête baissée. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, il nous faut des prophètes authentiques qui ont, mes amis, qui n'ont pas peur de parler, qui n'ont pas peur, mes amis, de dire la vérité dans l'amour, bien sûr. Et voilà. Donc, une autre caractéristique du prophète, c'est cette, mes amis, crainte de Dieu hein, qu'ils inspirent dans les cœurs des enfants de Dieu et la terreur qu'ils inspirent dans les cœurs des païens, des religieux. Les religieux tremblent, ont peur devant les prophètes de Yahweh. Ils ont peur parce qu'ils savent que leur onction, leur message, n'est-ce pas, leur caractère également, parce que le prophète a aussi du caractère, on en parlera. Et voilà. Donc parce que le prophète de Yahweh, quand il arrive quelque part, eh ben, les religieux eh ben, sont dévoilés et leur boutique eh ben, tombe en faillite. Hein, donc, et voilà, donc les enfants de Dieu qui le retenaient captifs eh ben, sont délivrés. Voilà pourquoi les religieux tremblent. Et ils ont aussi peur que leur vie cachée, secrète, soit dévoilée. Voilà. C'est terrible. Frère, sœur, c'est terrible. Donc, nous voyons ce soir la quatrième caractéristique du prophète de Yahweh, c'est la crainte qu'il inspire dans les cœurs des chrétiens, la terreur dans les cœurs de ceux qui sont religieux, qui ont des choses à se reprocher. Voilà pourquoi ces religieux préfèrent tuer les prophètes pour ne pas que leurs actions, leurs secrets soient, n'est-ce pas, dévoilés. Vous voyez, frères et sœurs, ils aiment beaucoup travailler dans l'ombre, dans les ténèbres. Les religieux, comme, n'est-ce pas, Nicodème, qui va voir Yeshua la nuit. Vous voyez, ils ont peur d'être dévoilés parce que les prophètes, c'est des hommes du jour. Ils marchent en pleine journée pour annoncer l'évangile. Comprenez le langage prophétique que j'utilise. Ce sont des hommes de lumière, des hommes et des femmes de lumière. Vous voyez. Donc, les prophètes de Yahweh, frères, sont des hommes et des femmes qui ont l'audace, le courage que Dieu leur donne. Ils inspirent, mes amis, le respect. Voyez, frère, c'est terrible. Regardez quand Yeshua arrivait quelque part. Vous savez pourquoi les pharisiens, les juifs, les scribes étaient constamment dans ces réunions alors qu'ils n'aimaient pas Jésus? C'est parce qu'ils en avaient peur. C'est la peur. Ils avaient tellement peur de Jésus-Christ parce que, mes amis, la vie sanctifiée de Yeshua, homme, n'est-ce pas, comment leur faisait, comment dire, de l'ombre. La vie sanctifiée de Yeshua, n'est-ce pas, était comme un jugement pour eux. Vous voyez, révéler leur état. C'est pour cela qu'ils en tremblaient. Vous vous rendez compte, vous vous rappelez quand ils sont allés l'arrêter, quand le Seigneur a dit c'est moi, ils sont tous retrouvés par terre parce qu'ils en avaient peur. Mais les vrais enfants de Dieu n'avaient pas peur, pas du tout. Vous voyez, quand Dieu a parlé à Adam après sa chute, Adam avait quel sentiment? Il avait peur. Ben, c'est le péché. Donc les prophètes sont tellement sanctifiés que quand ils arrivent quelque part, eh ben, ils inspirent la peur hein, donc dans les cœurs des pécheurs. Voilà. Et les pécheurs sont effrayés dans Sion, nous disent les Écritures. Voilà, frères et sœurs, l'évangile, le prophète de Yahweh. Le prophète de Yahweh a aussi un cinquième caractéristique, c'est le caractère. C'est des hommes et des femmes qui ont du caractère. Trempé.
Et souvent, leur caractère n'est pas compris. Ils sont intransigeants, très, très, très. Ils sont intransigeants, ils sont, mes amis, déterminés. Ils ont un caractère vraiment très, très déterminé dans ce qu'ils comprennent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont reçu. N'est-ce pas? Ils sont sans, ils ne peuvent pas, ils sont sans concession. Jamais ils ne vont faire des concessions, mes amis, pour déplaire au Seigneur, pas du tout. Et à cause souvent de leur caractère, on les traite de tous les noms. Regardez le caractère de Jean-Baptiste. Un homme qui mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Comment vous pouvez expliquer cela? Jean dans le désert courait après les sauterelles pour les attraper et les manger. Tandis que les prophètes de Baal préféraient les mets du roi. Regardez Jean-Baptiste. Il voit Hérode qui passe devant lui. Il lui dit devant tout le monde, Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il faut du caractère, frère. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pleutres, ce ne sont pas des peureux. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, et ils regardent les gens dans les yeux, en face, ils leur disent les choses. Qu'ils soient rois, princes, riches, pauvres, ils voient, tu sais, ils ne jugent pas d'après les apparences. Voilà leur caractère. Ils ont le caractère de Christ. Paul dit quoi? Ayez le caractère, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quand on parle de sentiments, on parle du caractère. Tu vois quelque chose? Alors, le vrai prophète aussi fait des jaloux. C'est-à-dire que les religieux ne peuvent pas faire ce que les vrais prophètes font. Donc, du coup, ça crée l'opposition. Ça crée l'opposition. Et même les foules les suivent, les enfants de Dieu. Ils suivent les vrais prophètes. Et ça crée des jaloux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce que le vrai prophète y fait. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc, il y a beaucoup de jalousie, effectivement, parce que Dieu marche avec eux. Et ça crée de la jalousie. Voilà. Donc, vous avez vu, on a vu une autre caractéristique du prophète authentique, c'est la solitude dont on a parlé hier. Regardons rapidement les caractéristiques des prophètes de Baal. Allons voir rapidement dans 1 Samuel 18. 1 Roi 18, pardon. Ah! Donc vous voyez ici, les prophètes de Baal sont toujours en groupe. Ils sont toujours en équipe. Regardez le prophète de Yahweh, un roi, 19. Ah, que Dieu nous enseigne. Hein. Verset 14. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ah! Voyez, non? Élie, seul contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Voyez, frère? Donc, si vous voulez facilement localiser, reconnaître les prophètes de Baal, les faux prophètes, c'est simple. Ils sont toujours nombreux, ils sont toujours en équipe. C'est l'œcuménisme. Ils parlent toujours de l'unité visible. Voyez, frère? Ils sont toujours dans les associations des pasteurs. À chaque fois que vous entendrez ce mot, fédération, Baal n'est pas loin. À chaque fois que vous entendrez corps pastoral, Baal n'est pas loin. À chaque fois que vous entendez association des pasteurs, Baal est au milieu. Voyez? À chaque fois que vous entendrez association des prophètes, équipe apostolique d'apôtres, Baal n'est pas loin. Voyez, c'est terrible. Hein? Ils aiment être en groupe. Pourquoi? Parce que ils ont des intérêts en commun et une vision commune.
En fait, c'est Babylone. Unissons-nous, baptisons-nous, bâtissons, construisons une ville et une tour. Genèse 11. Voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. Je ne dis pas que les prophètes de Yahweh n'ont pas de relation avec les frères et sœurs. Non. Ils sont dans le corps de Christ. Il n'y a pas de problème. Mais par rapport au message qu'ils reçoivent, très souvent, ils sont seuls avec Dieu. Voilà. Mais les prophètes de Baal, ils sont toujours nombreux, plus nombreux. C'est pour cela, actuellement, nous avons des fédérations d'églises, des associations de pasteurs, des réunions exclusivement pastorales. Voilà. Dieu n'est pas dedans, frère. Non. Non. Association des chantres de Paris. Dieu n'est pas dedans. Et ceux qui ne sont pas chantres, on les exclut. Voilà. Association des prédicateurs de la guérison. Vous voyez, Dieu n'est pas dedans. C'est complètement humain, c'est Babylone. Regardez, donc nous avons ici Yahweh, donc le prophète de Yahweh, Élie d'un côté, seul, et les prophètes de Baal et d'Astarté, 850, de l'autre. Et le peuple au milieu. Vous voyez comment ça se passe? Élie dit une parole, et les autres aussi disent, ils disent 850 paroles. Voilà, alors nous sommes dans 1 Roi 22. Premier verset. 1 Roi 22, oui. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » C'est Miché, fils de Jimla. Ah, on peut s'arrêter là 2 secondes. Alors, vous avez vu, pareil, ici, nous avons Miché, prophète de Yahweh, seul dans son coin, rejeté. Il n'était pas avec le roi Akab. D'ailleurs, Akab le détestait. Il le dit, je le hais, parce que, voilà, il ne me prophétise rien de bon. Vous voyez, frère? Oh, Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Et, frère, Akab avait autour de lui 400 prophètes de Baal. Donc Élie les avait tous décapités et Akab en a encore, mes amis, établi 400 autres. Alors pourquoi à chaque fois 400? Je me disais à chaque fois, Seigneur, mais pourquoi tout à l'heure chez moi, quand Dieu me parle de ce message, je disais, Seigneur, mais comme ça dans l'esprit, pourquoi 400? Et une pensée m'est venue en hébreu, n'est-ce pas, le chiffre 4 est le chiffre, est un chiffre universel. D'accord? Nord, sud, est, l'ouest. Donc, l'est, l'ouest. Et en fait, c'est un chiffre qui nous parle aussi, quand il est question, bien sûr, de Satan, ce chiffre nous parle du mélange. Vous voyez? Du mélange. Voilà pourquoi, mes amis, et la plupart des présidents, la plupart des autorités politiques, et pour être puissants, pour asseoir leur pouvoir, ils vont, mes amis, mélanger toutes sortes de sorcelleries, amérindienne, africaine, asiatique, ils vont combiner tout ça, ils vont voilà, être bien blindés pour être, selon eux, puissants. Ils vont être francs-maçons, rosicruciens, écancars, maïkariens, tout ça, donc le maïkari, une secte d'origine japonaise, vous voyez. Donc ils vont mélanger, et c'est ça ce qu'Akab faisait ici. Un peu de l'Égypte, un peu de la Grèce, un peu de... C'est comme dans... Vous voyez, c'est comme les quatre animaux de Daniel 7. Babylone, Médo-Perse, voyez,
la Grèce, la Rome impériale. Vous voyez, les quatre animaux là, c'est quatre types de sorcellerie, quatre sortes de démons principaux. C'est un mélange terrible. Et Akab avait justement ce mélange là. Donc il a choisi ces prophètes là en fonction, chacun avec sa sorcellerie, ce qui différait des autres. Et il pensait être puissant et il les consultait régulièrement. Regardez aussi actuellement, beaucoup de nos dirigeants politiques sont entourés de satanistes, des voyants. Ils vont les consulter, comme Mitterrand, par exemple, qui consultait souvent Madame Soleil. Voyez, donc pour connaître l'avenir, pour pouvoir diriger la France. Donc, ils ne sont pas les seuls, ces présidents-là. Il y en a plusieurs, Africains, Européens, Antillais, tout ça, et des îles, tout ça, partout. Et malheureusement, souvent aussi, ce sont des pasteurs, soi-disant, qui vont les consulter. C'est comme le président Obama, par exemple, qui va être investi par, qui a été investi par un pasteur évangélique, hein, du nom de, son nom m'échappe, Rick Warren, qui est complètement syncrétiste, complètement, mes amis, écuméniste, complètement, mes amis, mélangé avec l'islam, tout ça, là. C'est terrible. Donc, c'est exactement ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Vous voyez ? Tous ces pasteurs qui travaillent auprès des rois. Un pasteur authentique ne peut pas travailler avec un président, à moins que ce président ne soit converti totalement, et ce qui est souvent, mes amis, ce qui est souvent rare. Voilà. Donc, et c'est terrible, frères et sœurs, de voir cette compromission dans nos églises d'aujourd'hui, où des prophètes que Dieu avait appelés, qui étaient authentiques, se sont corrompus à cause de l'appât du gain, mes amis, parce qu'ils ont approché des hommes politiques, ils se sont corrompus, ils sont devenus, mes amis, des pasteurs, des présidents. Pasteurs de présidents et présidents qui sont francs-maçons. Ils en sont fiers avec leurs photographies dans leur bureau, tout ça là, comme des trophées. Repentez-vous. Voyez. Et là, ici, à Cap, frères et sœurs, eh bien, consulte ces 400 prophètes de Baal. Mais Josaphat, qui était un roi, le roi de Juda, qui était un roi intègre, a senti dans son esprit que ces prophètes disaient des mensonges. Il dit au roi Akab, y a-t-il pas ici, y a-t-il pas un prophète par qui l'on puisse consulter Yahweh? Akab dit, il y en a un. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais. Voyez, non, je vous dis que le prophète, quand il parle, il y a la haine qui se manifeste dans les cœurs des religieux, des politiques. La haine, je le hais. Vous ne pouvez pas ne pas être haï. C'est impossible si vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. C'est dans la Bible, non? Donc les gens qui nous critiquent, qui vous critiquent, cela ne doit pas vous choquer, frères et sœurs. Soyez encouragés. C'est biblique. C'est une grâce pour vous. C'est pour cela que ce soir, je fais un coucou à ceux qui me critiquent. Je vous aime beaucoup. Et continuez à faire ce merveilleux travail que vous faites. Parce que les enfants de Dieu ont vu clairement les choses. Voilà. La face cachée de Chora. Quelle face cachée? C'est celle que je montre depuis des années à tout le monde. Voilà. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas la face cachée de la lune, hein, qui ne se voit jamais. Voilà. Je ne suis pas le Dieu lune. Je suis le fils de Dieu, serviteur de Yeshua, Amashia. Donc, alors, c'est bien parce qu'une bonne pub comme ça permet à tout le monde de découvrir le message. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, on s'arrête en chemin et nous continuons toujours. Voilà. C'est comme si les gens proposent des séries avec des épisodes. Voilà. Mais à un moment donné, les séries américaines finissent par s'arrêter. Parce que tout le monde veut passer à autre chose. Et il se trouve que nous sommes dans une génération où les enfants de Dieu ont besoin d'autre chose. Voilà. Que Dieu soit béni, mes amis. Dieu est bon, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, regardez, frère, il dit, il y a un homme, mais je le hais, car il ne me prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Oh, que ces prophètes-là, mes amis, soient complètement démasqués. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Oh, quelle mystification!
voyez, ils ont des cornes, ils ont des soutanes, ils ont des crucifix, de croix, de grosses croix. Hein? Et il dit, ainsi parle Yahweh. En plus, ils osent utiliser le nom de Yahweh. C'est ça qui amène la confusion. Parce que tout le monde utilise la Bible, tout le monde utilise le nom de Jésus-Christ, et beaucoup de chrétiens ne savent plus qui est qui. Ah oui, qui est qui? Priez, Dieu vous montrera, frères et sœurs. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. C'est ce que le président Gbagbo a vécu, hein, avec les faux prophètes en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, presque tout le monde est prophète. Hein? C'est une particularité aussi ivoirienne. Tout le monde à Abidjan est prophète. Il y a des prophètes tous les 100 mètres. Vous voyez? C'est quand même incroyable. Au Congo, c'est des docteurs, des grands bishops. Hein? C'est vraiment impressionnant. Il y a aussi des prophètes qui se lèvent en RDC là-bas, qui se disent prophètes, mais pourtant ils sont toujours chics, très chics. Hein? Ils parlent des anges, ils parlent de je ne sais pas quoi là. Et mes amis là, qu'il faut parler aux anges, qu'il faut faire sortir de son corps. Il y a une telle confusion au Congo RDC. Je comprends pourquoi ce pays est frappé par le Seigneur comme ça. Là. Que Dieu envoie des prophètes aussi là-bas, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Aux États-Unis, n'en parle même pas. Il y a tellement de prophètes aux États-Unis, tellement de prophètes, que c'est le pays le plus impie, hein, du monde. Le plus méchant. Ça peut vous choquer, mais c'est pas moi qui le dis, frère. Là, quand on voit les œuvres, quand on voit des présidents américains qui vont en Irak pour tuer des gens, mes amis, voler du pétrole et semer le chaos, on comprend, mes amis, pourquoi. Vous voyez, ce pays qui exporte, mes amis, l'impudicité dans le monde avec Hollywood, mes amis, avec cette mode, mes amis, complètement impie. C'est pour cela que Dieu va juger davantage, mes amis, les nations occidentales aussi. C'est terrible. Le jugement de Dieu tombe déjà depuis. Et là, mes amis, le messager qui était allé appeler Michel lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Ils ont toujours des accords entre eux. C'est pour cela qu'ils sont nombreux. Donc, ils s'associent, ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont parler. Voilà comment nous allons procéder. Ils ont des accords, des alliances. Son nom Daniel. Ils feront des alliances, hein, n'est-ce pas? Donc, ils se lieront par des alliances. Prophétise du bien, hein, au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Et si tu refuses d'annoncer du bien, on te persécute. Pourquoi tu ne parles pas comme les autres? Voilà le combat des prophètes de Yahweh. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme les autres qui sont soutanés, cravatés, costumés? Voyez, terrible, hein? Et pourquoi tu n'as pas le même langage que tout le monde? Un langage politiquement correct. C'est pour cela même ceux que j'ai formés hier qui ont quitté la vérité. Vous voyez vous-même, frère, même si certains parlent, mais vous avez la vérité. Ils vont parler, mais vous savez que hier, ils ont dénoncé Babylone. Aujourd'hui, ils font allégeance à Babylone. La confusion. Parce qu'ils ne peuvent pas rester seuls. Parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Pour rester seul avec, comme Élie, il faut être mandaté par Yahweh. Sinon, tu vas faire des accords avec les prophètes de Baal. Tu vas faire allégeance à Satan. Bah oui. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu et tu es avec la multitude. Dieu est le Dieu de reste. Il n'est pas le Dieu de la foule. Bah oui. Frère, c'est clair. Et regardez. Hein, je finis, après vous allez vous exprimer, pas de souci. Donc il faut que je libère toute cette onction qui est sur moi. Et là, mes amis, qu'est-ce qu'on voit? La parole nous apprend et que Michée va arriver effectivement. Et dans un premier temps, Michée va parler un tout petit peu comme eux. Il va dire à Akab, va et tu auras du succès. Et Akab lui dira, combien de fois t'ai-je dit de me dire que la vérité de la part de Yahweh? Donc là, Michée a eu du courage, parce qu'Akab avait compris que Michée tremblait un peu. On est humain, hein? La pression parfois est tellement forte. Et Michée dit, eh bien justement, tous ces prophètes qui sont là, ces 400 prophètes, sont possédés par un démon, par un esprit d'égarement, par un esprit qui les a séduits, envoyés par Dieu. Un seul démon, vous vous rendez compte? Un seul démon ici, c'est écrit, hein, a séduit 400 prophètes. Il a mis dans leur bouche l'esprit de mensonge pour qu'Akab soit tué. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Michée, vous savez ce qu'il a fait?
Ce qu'on a fait de lui, on l'a mis dans une prison. On l'a mis en prison et on lui a donné du pain, le pain de l'affliction. Vous vous rendez compte? Le pain des pauvres. Oh, que Dieu nous envoie des michés. Des hommes et des femmes qui aiment tellement la vérité qu'ils préfèrent être seuls avec Dieu qu'avec et aller au ciel un jour plutôt que d'être avec la multitude, la foule des gens, des prophètes de malheur et être disqualifiés par le Seigneur. Que Dieu, frère, nous envoie des véritables prophètes. Et tous ces messages que Dieu me donne ce temps-ci, depuis hier, ce soir également, c'est pour encourager les vrais prophètes, les vraies prophétesses, parce qu'il y en a qui sont là, qui nous suivent, il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas forcément, mais qu'ils soient encouragés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils prennent position pour la vérité, parce que Yeshua est en train de revenir, il nous reste très peu de temps, et Dieu, avant de revenir, Yeshua, il va d'abord susciter des prophètes. Matthieu 25 le dit, à minuit, quelqu'un a crié. Oh, les prophètes, ce sont ceux-là qui crient, selon Ésaïe 58. C'est pour cela, ces messages que Dieu donne en ce temps, c'est des messages prophétiques pour réveiller les prophètes, pour encourager les prophètes à se lever, à prendre position et à comprendre que le fait d'être rejeté, persécuté, traité de tout le nom, accusé faussement, est la preuve que Dieu marche avec eux s'ils sont, bien sûr, sanctifiés. Voyez, frère, les prophètes de Yahweh ne sont pas invités par des églises paganisées. Ils peuvent être invités une fois, mais parce que leur message est tellement fort que ces églises, mes amis, ne vont plus les réinviter. Voyez, ils ne sont pas invités par des sites que vous connaissez ici, Casarema ou enseignement.com. Ils ne sont pas invités par ces sites-là complètement paganisés. Jamais. Un prophète authentique invité par ces sites et qui va y aller régulièrement, mais ce n'est pas un prophète de Dieu, même s'il parle bien. Le diable parle bien, frère. Les sophistes chez les Grecs, ils parlaient bien. Ils avaient la rhétorique. Le prophète prend position pour la vérité. Le prophète comme Finet a pris position pour la vérité. Vous êtes complètement mélangés aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup sont mélangés au point où ils ne savent plus reconnaître les vrais prophètes. Ils ne savent plus discerner. Et on reconnaît les prophètes, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 7, par leurs fruits. Leurs fruits, frères, c'est d'abord, mes amis, l'amour qu'ils ont pour Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et, mes amis, en même temps, marcher dans la compromission, c'est impossible. Les prophètes de Yahweh marchent avec Yahweh, ils marchent seuls avec Dieu, ils continuent à suivre Dieu partout où il les amène. Si Dieu s'arrête, il s'arrête. S'il se lève, il se lève. S'il bouge à droite, il sort à droite. À gauche, à gauche. Que Dieu nous aide, qu'il nous réveille. Chrétiens, réveillez-vous. Matthieu 5, méditez Matthieu 5. Méditez Matthieu 10 concernant les prophètes de Yahweh. Méditez 1 Pierre 3, 1 Pierre 4 concernant les prophètes de Yahweh. C'est des hommes et des femmes solitaires. C'est des hommes et des femmes qui viennent libérer le peuple. Ils libèrent tellement le peuple qu'ils leur disent « Ne nous suivez pas, suivez Dieu. » Ils ne veulent pas être là comme des gourous, non. Ils crient. S'ils implantent des églises, ils leur donnent leur autonomie. Et ils continuent leur chemin. Vous voyez? Ils continuent leur chemin. Ils commencent des programmes pendant quelques temps. Ils laissent les gens avec Dieu. Et ils s'en vont ailleurs. Et ils ont du caractère. Vous voyez, frères et sœurs? Les prophètes que Dieu envoie. Et leur vision, c'est de voir Christ. Christ seul, Yeshua, glorifié. C'est tout. Que Dieu soit glorifié. Que le peuple connaisse Dieu. Donc, qu'il ne rentre pas dans... Mes amis, les mêlant dans les associations, mes amis, des hommes. Avant de vous laisser le temps de parler, de nous appeler, lisons un dernier passage que l'Esprit vient de me donner concernant les vrais prophètes. Genèse 49, verset 6. 5 et 6. Si quelqu'un peut nous le lire. Versets 5 et 6, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Voilà comment les prophètes parlent. Les prophètes de l'Éternel, vous voyez, ici Jacob était prophète, hein, donc il parle de l'avenir de ses enfants. Il annonce l'avenir, donc c'est un prophète.
Et qu'est-ce qu'il dit, Jacob? Pourtant, Siméon et Lévi étaient ses propres enfants. Mais Jacob n'est pas rentré dans le sentimentalisme. Il n'était pas dans les sentiments charnels. Il s'est dissocié d'avec, n'est-ce pas, ses enfants. Il s'est désolidarisé d'avec ses deux enfants parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient tué, alors que Dieu, mes amis, ne veut pas qu'on tue. Vous vous rendez compte? Donc le prophète de Yahweh prend position pour la vérité, même s'il doit, mes amis, se séparer d'avec sa propre famille. C'est terrible, hein? Le prophète de Yahweh, mes amis, ici, il dit que mon âme, il parle de sentiments ici, l'âme c'est le siège des sentiments. Que mon âme, c'est aussi le siège de la volonté. Que mon âme n'entre point dans leurs conciliabules, dans leurs associations, leurs assemblées, leurs réunions. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Il parle de l'âme, il parle de l'esprit. C'est terrible, hein? Donc, vous voyez, la vraie association n'est pas charnelle. La vraie unité n'est pas charnelle. Voilà pourquoi ici, il parle de l'âme et de l'esprit. Donc, pour vous montrer à quel point Jacob ne voulait surtout pas s'associer avec ses propres enfants dans leur péché. Donc, le prophète de Yahweh parle ainsi. Quelle que soit la personne qu'il a en face de lui, qu'il soit père, mère, frère, sœur, biologique, si Dieu lui dit « fais ma volonté », si Dieu lui montre que ces derniers sont dans le péché, il ne va pas s'associer à eux parce que sous prétexte que c'est sa famille, il va refuser la compromission, quitte à se retrouver seul. Et c'est pour cela que Yeshua disait dans Jean 10, hein, dans les évangiles, celui qui aime son frère, sa mère, son père, plus que moi ou ses enfants n'est pas digne de mon royaume. Et c'est terrible, frère. Il est temps de se réveiller, Yeshua revient. L'heure n'est plus à la distraction, frère, sœur. Laissez les gens qui vous critiquent le faire. Ne vous arrêtez pas sur eux. Continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Ne soyez pas troublés quand des frères authentiques sont critiqués. C'est très biblique. Que Dieu nous garde. Donc, tu avais quelque chose peut-être à dire encore? Ou quelqu'un d'entre vous? Oui, je voulais juste revenir et dire que le prophète qui n'est pas né d'en haut, en fait... Le prophète terrestre, eh bien, il va dire du bien, comme on l'a lu. Il va dire du bien au roi. En fait, il va dire du bien au roi. Il va dire au roi ce que le roi a envie d'entendre. Voilà. Et il ne va pas dire la vérité au roi, en fait. Tandis que le prophète de l'Éternel, lui, va dire la vérité au roi. Et nous avons vu, je ne sais pas où, on était juste avant, qu'il sera, lui, détesté. Donc, la vérité, voilà. Et puis, il est dit aussi dans Jérémie 30, et c'est effectivement ça, que... Malheur aux enfants rebelles qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas. Prophétisez-nous de chimères, dites-nous des choses qui nous font plaisir. C'est terrible, c'est exactement, et Paul reprend cette parole dans 2 Timothée 4, en disant qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et ils auront, n'est-ce pas, le désir de se faire chatouiller les oreilles. Hein, et ils désireront des prophètes de malheur. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Donc dès qu'un frère, une sœur est critiqué sur Internet, ou ici et là, certains chrétiens commencent à se poser des questions, mais logiquement, si vous êtes chrétien et que vous méditez la Bible, vous devez vous dire, ben, quoi de plus normal? Et si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit va vous témoigner de qui est qui, n'est-ce pas? Dieu doit vous parler directement sans passer par les hommes. Et voilà, mes amis, et c'est logique. Prenez position pour la vérité, défendez la sainte doctrine. Vous savez, dans Actes 26, Paul a été traité de gourou. Hein? On l'a appelé le chef de la secte de Nazaréens. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs. Donc, que l'on vous traite de secte de gourou, ça ne doit pas vous choquer. C'est très biblique, c'est normal. Voilà. On est destiné à cela. Voilà. Oui, il y a un passage aussi dans Jérémie 18 qui dit, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage. Ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Voilà. Pour eux, ils pensaient que c'était un discoureur et ils n'ont pas pris garde à. Alors, ils voulaient le tuer avec la langue. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tuons-le avec la langue, c'est ça? Avec la langue. Voilà. Quand ils n'arrivent pas à te tuer spirituellement, alors physiquement. C'est la langue. Voilà. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et il est vraiment, mes amis, important de reconnaître
les vrais enfants de Dieu. Quand on parle des caractéristiques des prophètes authentiques, des prophètes bibliques, comprenez que de manière globale, nous parlons de tous les vrais chrétiens qui ont l'esprit prophétique, le Saint-Esprit. Donc, tout enfant de Dieu, digne de ce nom, ne peut en aucun cas être, mes amis, reçu en grande pompe par les gens de ce monde, par les religieux. Donc, ne vous attendez plus à être honoré, reçu, accepté, reconnu dans votre ministère par les autres, parce que le monde, n'est-ce pas, va à l'encontre de la volonté divine. Le monde n'aime pas Dieu. Donc, alors ne vous attendez pas à être acclamé. Répondez à l'appel du Seigneur. Faites exactement ce que Dieu vous demande de faire. De tout. Ne vous attendez pas à être accepté, acclamé, encouragé par les hommes. Répondez, n'est-ce pas, humblement à l'appel que le Seigneur vous a adressé. Et à la fin de votre parcours terrestre, Dieu vous récompensera. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses pour ne pas être déçu et blessé, découragé à cause de l'opposition. Voilà. Donc, sachez que si vous tenez ferme par rapport à l'opposition, des milliers de personnes, des millions, des milliards de personnes pourraient être, n'est-ce pas, touchées, gagnées au Seigneur par votre détermination. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà, que le Seigneur soit béni, frère, au nom de Yeshua. Et pour votre information, le projet de la Bible avance à grands pas. Et beaucoup de livres sont déjà finis. Et je crois qu'avant même la fin de ce mois-ci, on aura fini tout le livre et ensuite on va faire la mise en page. Et puis, avant le 15 septembre, on enverra, mes amis, le tout chez l'imprimeur. Et puis, mi-novembre, vers le 15 novembre, on aura déjà les 10 000 exemplaires de la Bible de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et donc, vous êtes nombreux à soutenir dans la prière ce projet, à soutenir également par les conseils, financièrement, matériellement, la mission que Dieu nous a confiée, TV Radio de Vie, le pain quotidien, les documos, tout ça. Et vous savez, plus l'ennemi attaque, plus l'ennemi combat cette œuvre, plus Dieu ouvre des portes, et c'est impressionnant. Samedi dernier, par exemple, lors de la réunion de réveil, lors de cette réunion de réveil, il y avait tellement la présence de Dieu, il y avait tellement de conversions, tellement de monde, qu'on ne savait pas, on ne savait plus où les mettre. Vous voyez, frère? Donc, Dieu nous encourage, croyez-nous, et on est ensemble dans le royaume du Père et on avance main dans la main. Au nom de Yeshua, les chiens aboient, la caravane passe. Que Dieu vous garde.